Direction maintenant le 14e arrondissement de la capitale avec ce projet de logement porté par l'opérateur Inlis sur l'ancien couvent des Sœurs Missionnaires de Marie, à quelques pas du parc Montsouris dans le jardin des Franciscaines. Un projet qui mobilise contre lui les riverains du quartier qui demandent la protection du site. Une pétition a même été lancée. Reportage sur place signé Damagassa et Yael Kahn. Voici le couvent et le jardin menacés par le projet de construction d'un immeuble de 7 étages sur ce site, impliquant la démolition de plusieurs bâtiments et l'abattage d'une quinzaine d'arbres. Un projet que redoutent les riverains et défenseurs de l'environnement du quartier Reille-Montsouris, initiateurs d'une pétition contre la bétonisation du jardin des Franciscaines. On a quand même là une destruction d'un site, à la fois dans son aspect architectural et végétal, qui nous paraît tout à fait regrettable. Il y a une sensibilité du patrimoine bâti et du patrimoine végétal dans cet endroit qui demande vraiment à être préservé et mis en valeur. Mais le permis de construire, par deux fois retoqué, est à nouveau à l'instruction. Pourtant, il s'agit là d'une parcelle dite espace vert protégé. Tout le long de l'impasse, ça serait une énorme construction qui occuperait près de la moitié de l'espace de la propriété. On passe outre ce PLU en construisant dans l'espace vert. C'est donc contraire à la préservation du patrimoine. Mais c'est un tout autre son de cloche du côté du promoteur qui assure au contraire le respecter. La chapelle sera conservée en l'état. Le couvent sera totalement réhabilité. Il servira de siège à une association caritative. Le jardin sera plus grand à l'arrivée que ce qu'il est aujourd'hui, 1500 m² de plus. Des arbres vont être élagués, mais nous plantons 25 arbres de plus que ceux qui existent aujourd'hui sur place. Riverains et associations espèrent désormais que la mairie revoie le projet et suspende le permis de construire afin de préserver les bâtiments existants et les arbres qui les entourent.